Initiating system 1. System 1 loaded. Et how are you? C'est Kencho. Et aujourd'hui, je suis de retour sur Fallout 4 pour continuer mes épisodes. Donc voilà, c'est parti. Et voilà, enfin on est arrivé dans cette fosse. Ok, là j'ai deux mecs là. Ok, d'accord. Je sais pas qui c'est, mec, mais. Un truc avancé. Bon, on marche avec ça. Ok, d'accord, tout est bon. Merde, pas ça. Joli. Ah oui, voilà, c'est bon. Oh, verrou de sécurité retiré. Ouverture de porte. Moi je reste comme un con. Voilà. Casse-toi. Bon sang. J'en vais t'ouvrir, mais toi tu vas rien comprendre. Côté vers là. Ha! T'es là! Ça y est. Ok, it's good. Non, ce soit toujours en si bon état. Qu'est-ce que... Ce type a rien à faire ici. Faites-lui la peau. Putain, mais il est en quoi, lui? Sors de là. Ce sera rapide. Je savais que je l'aimerais mieux comme ça. Faut être vraiment lâche pour se cacher. Ah, parce qu'il faut que je lui passe des munitions en fait. Sinon, on va pas son, arme habituelle, ok, d'accord. Elle est où, elle? Elle est où, cette saloperie là? En haut? Ah, il va te manquer une jambe. Vous croyez que c'est fini? On veut pas d'ennui! Pas plus que ce qu'on a déjà. Génial. Et puis quoi encore? Je suis trop jeune pour mourir comme ça. Ok. Alors, vous voulez qu'on discute entre gens civilisés? Ou tout ce qui vous intéresse, c'est démolir toute ma boîte?
quelque chose. What the fuck? Oh, Nuke. Ah, mini. Aucun mal. Ah, y'a de quoi là? Vous avez fini de tout casser. Je ne sais pas. Je sais pas qui vous êtes, mais on est avec vous depuis le début. Ah bon? Depuis le début, vous êtes avec moi? Ok. Bon. Je sais pas qui vous êtes, mais. Hey, vous avez fini de vous entretuer? Je ne sais pas. Tant mieux, secours, ok. C'est bon. Et vous approchez un peu, histoire de nous montrer que vous ne voulez aucun mal. Je sais pas qui veut. Vous voyez, vous avez fini de tout casser. Ouais, j'ai pas fini de tout casser. Et crois-moi, c'est que le début. Ça y est, vous avez fini de tout casser. Ouais. Alors, vous voulez qu'on discute entre gens civilisés? Tout ce qui vous intéresse, c'est de démolir toute ma boîte. Ça y est, vous avez fini de tout casser. Si vous approchiez un peu, histoire de nous montrer que vous ne voulez pas mal. Je sais pas qui vous êtes. Un truc là. Mais on est... Excellent. Votre main ne manque rien, mais ça vous a rendu les bons. Les plantes en pot. Ok. Ok. Depuis le début. Des plantes en pot. Ok, c'est fantastique. J'ai toujours voulu avoir ça. Non, j'ai gagné. C'est de la merde. Je sais pas quoi je peux en faire. Aucun mal. Des capsules. Ça c'est intéressant. Vous approchez un peu, histoire de nous montrer que vous ne voulez aucun mal. Ok, bon, allons voir la personne là, je sais pas qui c'est. Ça y est, vous avez fini de tout casser. C'est fini? Ouf, je m'attendais à pire. Ah bon? Je sais pas, j'ai eu droit à un sacré spectacle de là où j'étais. T'es encore défoncé ou quoi? Bah, quelle question. Je sais bien que c'est oui. Ça m'a pas empêché de gagner. C'est parce que t'es défoncé que tu fais des conneries. Mais bon... J'imagine que c'est pas ce qui va te préoccuper maintenant. On se retrouve au chômage, du coup. Je sais pas si je dois vous remercier ou demander à mon petit oiseau de vous faire bouffer vos tripes. Je t'ai déjà dit de pas m'appeler comme ça. C'est quoi cet endroit? Et pourquoi c'était plein de pillards? Vous êtes pas d'ici, hein? C'est la fosse. La meilleure arène du Commonwealth. Kate est notre championne en titre. Invaincue en plus de 100 combats. Avant, notre clientèle était plus... respectable, disons. Mais il y a environ 2 ans, une bande de pillards a débarqué et on est devenu... un établissement plus exclusif. Du moins, jusqu'à ce que vous butiez la totalité de nos clients et que vous nous flanquiez au chômage. Ah, mais merde alors. Chômage. Je vous ai sauvé la vie. Vous devriez me remercier. Vous remercier? D'avoir bousillé notre business. Excusez-moi si je vous applaudis pas. C'était pas détendre, d'accord. Mais on gagnait notre pain en divertissant ces abrutis. On s'en fout. Il en viendra d'autres, de toute façon. Laisse-moi juste une minute et j'y retourne. Une minute pour faire quoi? Pour que tu t'injectes encore cette saloperie? Non. Tout bien réfléchi, c'est peut-être pas une mauvaise chose ce qui vient de se passer. Vous avez vu la fin de ce combat. Qu'est-ce que vous pensez de Kate? J'ai vu mieux. Ça m'étonnerait. Vous lui dites ça alors qu'elle est encore armée et à portée. Vous avez du cran, vous. Bon, voilà le problème. Depuis quelques instants, j'ai plus le moindre public. Et donc, plus aucune chance de gagner des capsules. Et si tu me rapportes pas de capsules, tu me sers à rien, petit oiseau. Pire, tu deviens un boulet. Pour toi comme pour moi. Alors, voilà ce que je me disais. Si vous repreniez son contrat, elle vous accompagnerait. Elle couvrirait vos arrières. Ça me rendrait bien service le temps que je remette un peu d'ordre ici. Qu'est-ce que vous en dites? Moi? Avec lui? Non, ça je peux pas le faire, pourquoi? Franchement, ça m'intéresse pas vraiment.
Ça ne m'intéresse pas. Dommage. Je suis pourtant doué pour lui trouver de bons partenaires, d'habitude. Vous y réfléchirez, au moins. Si vous changez d'avis, vous savez où nous trouver. Tu serais toujours partante, hein, petit oiseau ? Si ça me permet de plus voir ta tronche, compte sur moi. Vivement qu'ils reviennent. Bien. Dans ce cas, c'est réglé. Si vous avez envie de bosser avec notre championne, revenez quand vous voulez. Okay. Peut-être qu'on aura remis le bar d'aplomb d'ici là, et qu'on aura trouvé une clientèle un peu moins sanguinaire. Tenez, c'est la recette du dernier combat. Considérez ça comme un acompte. Si tu changes d'avis, viens me trouver. Ok. Ok, it's good. Bon. Ben, on y va, on se barre, hein. Franchement, il y en a qui m'attend ici. Ah, ouais, je l'ai bien coupé de net. Hein. Donc voilà. Perso, franchement, c'est pas trop envie de la prendre avec moi. Allez, on se barre. On se barre cet endroit. Super mutant. Armure lourde. Sorti. Là, tu lui passes. C'est quoi les bas? Hey. Servez-vous? C'est du 50. Au pire, je suis pas. 100 balles de 50, ça ira. Ça, tiens. Ça va mieux avec ça. Hey. Montrez le chemin. Merde, je vais te faire ça. Ça, sauf que ton flingue. Voilà. Avec ça, tu me couvriras mieux et ça sera bien. Donc voilà. Souvenir, voilà. C'est ça. Je crois que je vais faire les 10 verres là, je vais les sortir de mon inventaire. J'ai pas une toute proche quête à faire là. Ok, là c'est. Ouais.
que c'est derrière. De quoi? Sans déconner. J'arrive à ton niveau, toi. Attends que j'arrive. On va dire passer du chroniqueur à suivante de moi. Ta dernière erreur à toi. Alors, Clint, je pourrais faire ça toute la journée. Merci. J'ai ramassé ça par terre, moi. Et finalement je vais garder l'épée chinoise parce que j'ai regardé et elle peut faire très très mal si je l'améliore en un truc intéressant, donc c'est pas mal. Je crois qu'en attendant je vais... Voilà, je vais la garder. Hop là. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Ici, ok, c'est là. Okay. Bon, on a plus qu'à tout redescendre. Quelqu'un?
t'entends quelque chose. Putain, super mutant. Je pense pas que les journalistes font ça. Faut que j'en mette celle d'un top. À savoir. Comment est-ce que tu le s'en sers? Tu tues seulement les plus faibles, ça nous rend plus forts. Ah bon? S'ils peuvent pas tuer un petit humain, ils valent moins que rien. Ok. Tu es prêt à m'abriter. Parle comme humain. Maintenant, meurs comme humain. Mes guerriers t'attendent. Mes oreilles me jouent. C'est quoi ce bruit? Hein? C'est quoi ça? J'ai un cadeau pour toi aussi. Ça s'appelle des balles dans ta tronche. You
voilà, tac tac tac. Ah, si j'étais une mouillée, je serais pas là en train de. Ouais. Y'a rien d'autre dans le coin ? Allez, c'est parti. Là, il y a tous ces cadavres. Les humains cheminés, l'air des super mutants. Ça pue l'endroit là. À qui ils avaient affaire. J'entends quelque chose. J'entends quelque chose, mais tu vas te mourir dans quelques instants là. Attends que je trouve toi. Aujourd'hui, y a quelqu'un. Ça a sauté.
finalement, ouais, ça a sauté. Ouais. Je vais t'arracher les tripes et en faire un colis. Là, ils sont mouillés. Par ici, j'ai un nouveau pouvoir. C'est passé que prévu. Souffre, sel. Adieu, mon gros. Adieu, mon gros. Intéressant là. Ça se pourrait descendre. Pourquoi vous battez toujours saleté d'humain? Pourquoi vous battez tout le temps saleté d'humain? Ta réponse. Qu'est-ce que je peux faire? Franchement, désolé si je parle pas, là je suis concentré comme une tomate. Et bientôt je vais cracher du jus. De tomates, bien sûr. Là. Il y a un truc intéressant là. Ok. Ouais, on monte. Donc là, je suis rentré. J'ai pas remarqué, mais j'ai des points. J'ai complètement zappé de les mettre. Putain, con. Je crois que ça, je vais mettre un point ici parce que j'aimerais bien avoir un peu plus de munitions.
Ouais. Du moins avec ça, j'aurais plus de choses à ramasser. Donc voilà. Bon, ça c'est bon, ça c'est fait. Non, je pense que c'est par là. Ok. Qui a eu une mort. Oh, les gars, j'en veux pas. Ok. Ok, ok. Super. C'est moi ou l'air est plus propre ici? Ouais, elle est plus propre, ouais. Je te garantis, elle est plus propre. Revenez! Ne me laissez pas ici! Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Vite! Attendez! Revenez! Ne me laissez pas ici! Ok. Bonjour. Je ne sais pas qui tu es, mais bonjour! Bonjour, humble humain, dans une cage. Et gardez pour le bouffer ou quoi? Sérieux? Mais qu'est-ce que vous fabriquez là-dedans? Vite! Sortez-nous de là! Autres frères viendront bientôt! What? Eux savent que Tour est attaqué. Le super mutant aussi? Oui, lui aussi. Il est inoffensif. Enfin, j'exagère. Il est loin d'être inoffensif. Mais il ne vous fera aucun mal. Faites-moi confiance. Strong, écrabouille pas toi si tu sauves Strong et Rex. Vous voyez? Ok. Qu'est-ce qu'il fait dans une cage, ce super mutant? Il a défié son chef en prenant ma défense. J'ai donné un nouveau sens à sa vie, voyez-vous? Je suis venu ici pour donner un peu de culture à ces pauvres créatures ignorantes. J'ai commencé par Macbeth. Je crois qu'ils ont tous trouvé ça très drôle. Tous sauf Strong. Strong apprend secret de pouvoir humain avec Macbeth. Lait de tendresse humaine. Strong va trouver lait. Strong va boire lait. Strong va gagner pouvoir secret des humains. Mais oui, c'est ça. Qu'ils s'étaient suffisamment moqués de moi, ils m'ont jeté là-dedans. Ce qu'ils ignoraient, c'est qu'il y avait une radio dans cette cage. Ils savent, c'est appât pour attirer autres humains. Quoi?
Tu n'aurais pas pu me le dire plus tôt? Strong pensait que tu savais. Vous voyez un peu ce que je dois endurer ici? J'ai promis à Strong que je l'aiderais à trouver le lait de la tendresse humaine si on sortait d'ici vivant. Qu'est-ce qu'il comptait faire de Strong? Le balancer par le toit de la tour. Ils ont ouvert des paris pour savoir combien de fois il rebondirait. C'est sérieux. J'ai du mal à le croire. Laissez-moi réfléchir. Faites-nous sortir de là. Rex. Prenez la clé. Il la cache dans ce grand coffre. Cache-toi, tas de viande. Suivez Strong. Il connaît le chemin pour sortir rapidement de cette maudite tour. Yes. Les dégâts augmentent de critique de 25%. Ouais. Sors d'où ces connards là? Pot de peinture vide, ok. Je me demande qu'est-ce qu'il faut qu'un pot de peinture vide. Planche? Une planche, ok. It's good. Sérieux, y'a pas un passage sur le côté là? Tout à l'heure qu'il y avait un truc là-bas. Ah voilà. L'histoire de lait de la tendresse humaine vient de ma tête. Je pensais pouvoir civiliser ces sauvages en leur déclamant ce chef-d'œuvre. Strong, ici présent, pense que c'est le secret des pouvoirs de l'humanité. Il veut que je l'aide à le trouver. J'entends quelque chose. Ouais, non, c'est des hallucinations. Pas de bagarre aujourd'hui. Ma tête! Blessé! Foute-moi ça! Tu vas t'en mordre les doigts! Acceptons avec résignation ces cruelles adversités! Ils sont chelous quand même, mais les gens qui sont avec moi là. C'est quoi ce bruit? C'est quoi ce bruit? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça? C'est mon âge qui va foncer dans ta tronche! J'ai envie d'en faire un collier! C'est pas juste que je vais disparaître! Hop, non, en fait, non. Et je pense que je vais m'arrêter là. Et je vous dis à plus tard pour un autre épisode. Donc voilà, c'est Gancho. Bye bye.